Ouh là là. Pardon. C'est parti. Le gagnant. Le gagnant du concours numéro 11 Candibule, le gagnant du lot 2 de concours de Candibule est... C'est simple. Angie Botti Game 50. Bravo à toi Angie, bravo. C'est toi qui as remporté ce lot, c'est toi qui recevras ça en colissimo chez toi. Bravo Angie, yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo car j'ai reçu un colis il y a 2 semaines de la chaîne de Candibule car j'ai gagné donc leur concours numéro 11. Donc on va vous montrer ça en vidéo. Donc j'ai déjà ouvert pour me faciliter l'ouverture. Donc on va voir ça tout de suite dans le colis. Donc on retrouvera un coussin donc pour le voyage. Donc, hop. Voilà. Ensuite dans le colis donc il y a les petits bonbons, donc c'est les barres de Malteser, un paquet de bonbons de Haribo. Et donc ensuite on va passer donc au DVD et aux jeux vidéo qu'il y a dans le colis. Alors pour commencer, donc dans le lot, il y avait le Need for Speed Rival. Ensuite, il y avait le Final Fantasy XV. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Le Zombie U. Donc sur la Wii U, car les deux autres c'était sur la PS4, je me trompe pas, c'est ça. Là c'est un Blu-ray, donc un DVD Blu-ray, donc le Across the Line. Je connais pas comme film, donc à voir. Ensuite, vas-y papier. Donc ensuite, il y avait donc le Titanic Odyssey 2012. Donc ça, je ne savais pas qu'ils avaient fait un autre film sur le Titanic. Donc là, c'est marqué 100 ans plus tard, tout recommence. Donc je ne le connais pas. Donc à voir. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Ensuite, la DVD No Man's Land. Ouais, c'est tous les DVD, je les connais pas. Hein. Donc après à voir, hein, on les regardera. Donc, je sais pas si vous les connaissez, hein, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Ensuite, donc un DVD Spawn. Pareil, je connais pas. Donc ce sera à regarder. Ensuite, donc il y avait une petite figurine. Par contre, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc hop, je sais pas si vous allez voir. Donc je sais pas si vous savez qui c'est, mais petite figurine. Ensuite, donc dans tous les lots, il met des cartes donc Pokémon. Donc avec la V. Et ensuite donc plein de petits lots de cartes Pokémon. Et donc, ah oui, j'avais oublié de lire le petit mot qui m'avait marqué, donc je vais vous le lire tout de suite. Donc, coucou Angie, bravo à toi pour cette belle victoire à notre concours Candibule numéro 11. On espère que ce lot remporté te fera grandement plaisir et que tu en feras bon usage. Bonne chance à toi dans nos futurs concours Candibule. Un grand merci à toi pour le soutien apporté à notre chaîne. A bientôt, amitié YouTubeur Candibule. Donc je vous remercie encore donc Candibule pour ce lot car c'est très très gentil. Et donc on va finir donc par le dernier lot. Hop, si j'arrive à l'avoir parce que du coup il prend tout le carton. Hop. Et donc là c'est un jeu de société. Donc Pokémon,
Donc, c'est comme une sorte, j'ai l'impression, de comme de flipper, s'il y a des petites manettes. Donc, je ne connais pas non plus. Après, ceux qui sont peut-être fans de Pokémon, peut-être qu'ils le connaissent. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais moi, je ne connais pas ce jeu. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais, voilà. Donc, voilà pour les petits lots que j'ai gagnés. Donc, voilà, j'ai rien oublié. Donc encore un grand merci donc à la chaîne de Candibule pour ce petit lot. C'est très très gentil. Donc franchement n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne car tous les mois donc ils font un concours. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, je mettrai le lien en dessous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pareil, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous. Bye bye!